I don't know if you can hear me. I'm stranded here on this station. There's only a few of us left now. There's something stalking us. And now it's hunting me. Eh bien bonsoir à tous, chers amis, ici Necros, le seul unique en direct de notre 22e épisode sur notre aventure d'Alien Isolation. On s'est arrêté juste ici, on était revenu donc dans le bureau des Marshalls, après ce début de guerre civile qui a eu lieu dans la station Sébastopol, et surtout on avait entendu le Marshal Waite, qui apparemment était bien dans la merde, qui s'était fait agresser. Par je ne sais qui, par on ne sait quoi, on ne sait qui. Ok, il y a quelqu'un de vivant là-bas. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas qui était cet homme-là. Ce que je peux dire, c'est qu'il est officiellement décédé. Juste retourner faire un petit tour par là, voir s'il n'y a rien qui traîne de nouveau. Il y a toujours cette pièce, cette fameuse pièce d'interrogatoire là, qu'on n'y a pas accès. Ok, encore de la camelote, j'en ai plein. Très bien. Ah, ouvre-toi. Bon, la question à se poser au début de ce 22e épisode, c'est de savoir si le jeu va encore une fois me baiser comme d'habitude ou pas. Voilà, ça c'est la vraie question. Allez, bref, on avance. Ok, donc apparemment... Rip, ils sont tous morts. Ouais, je vois ça. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo! Ouais. Bien sûr, pas de problème. Reste ici, verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. Allez, on se ressaisit, mon grand, là, enfin, voyons. Prends un antidépresseur, fais quelque chose, quoi. Oui, Samuel, dans Sixon Synthétique, je sens que c'est lui. Je sens que c'est lui la cause de tout ça. C'est lui qui a ordonné au Synthétique de faire une guérilla. Là. Bref. Non, je raconte n'importe quoi. Empruntez le transit jusqu'à la tour Simed, ok. Du coup, en effet, là, plus on avance dans le jeu, plus on fait de backtracking. Hein, je trouve ça presque dommage. Ceci dit, c'est quand même intéressant de revoir les zones qu'on a déjà parcourues et de voir que ça a effectivement complètement changé. Quoi. C'est parti en couille totale. Ok, là-dedans, il n'y a rien non plus. Là, c'est fermé. Voilà, ok, on aura essayé. Bien. Allez, à plus, Ricardo. Fais-toi bien bouffer par les synthétiques. Ça te fera la bite. Bonsoir! C'est toi qui vas fermer ta gueule. Pour commencer. Je te fais bugger dans l'affichage, j'en ai rien à foutre. Voilà. Non mais. Qu'ils se prennent ceux-là. Ok. Du coup, on est de retour ici. Alors, par où c'est-il qu'il faut qu'on se berre? Il faudrait que je vais à droite. Ouais, mais le problème c'est que tout est fermé en fait. D'accord, faut que je redescende en fait. Ok. Pas de soucis. Je commence à connaître le chemin. On risque fortement de recroiser d'autres synthétiques. En y allant par contre. C'est bien par là. Oui, non, faut pas que je descende, faut que je remonte. Wait. Comment je l'atteins cette passerelle là? Hein? Là-haut c'est un cul-de-sac parce que oui, il y a le point de sauvegarde. Ah, à mon avis, il faut que je remprunte cette. Je remprunte cette passerelle de côté, je pense. Mais si tu le passais.
Ok. Je vais équiper le revolver quand même, on sait jamais. Putain, j'avais cru voir quelqu'un. Ah, le stress m'emporte. Il y a du monde, hein, il y a quelqu'un, il y a du mouvement. Ok, effectivement, il y a du mouvement. Bonjour mademoiselle. Vas-y, jette un œil. Pas trop près. Oh putain. Mais sérieux. Il y a des gros problèmes de hitbox quand même, des fois. Oh, dommage. Bim. Voilà. Ta gueule, tu meurs. Ok. Le problème, c'est que je vais finir par plus avoir beaucoup de tasers en stock, moi. Mais bon, ça devrait le faire. Alors. Éthanol. J'en ai trop. Parfait. Cassons-nous. Alors, vous allez me dire, Necros, pourquoi tu n'utilises pas tes armes à feu? Parce que j'ai pas envie de gâcher mes balles pour eux, alors que je peux les avoir à main nue. Ça sert à rien, autant que je les garde. C'est marrant, j'entends un point de sauvegarde. Bah, il est là. Un peu normal que tu l'entendes, Tucker. Bon, en vrai, normalement, il m'aurait fallu 10 minutes de moins pour atteindre mon objectif, mais bon, j'aime bien papillonner, traînasser, tout ce que tu veux. On est d'accord que c'est bien là, c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. C'est pas du tout là qu'il faut que j'aille. Oui, non, moi, faut que je reprenne l'autre, la grosse passerelle du milieu, là. Ah, bordel de merde! Là, de toute façon, il n'y a pas 50 chemins. Voilà. Quand je monte en haut, de toute façon, c'est fermé. Ça, c'est fermé. C'est quand même incroyable, cette affaire. Ça. Mais putain, depuis quand c'est ouvert, ça? Je suis passé devant tout à l'heure, c'était fermé. Pff, oh là là, ça me rend fou, ces conneries. Bah non, mais c'est chiant, faut être collé à la paroi pour que la porte s'ouvre, quoi, c'est... Ouais, c'est de la mauvaise foi, si tu veux, mais bon, je suis désolé, c'est débile, quoi. Pas besoin d'être collé au truc pour que le pour que la porte s'ouvre, quoi, il y a d'autres manières de faire ça intelligemment. Bon, bref. Bonjour, madame. Où est-ce qu'il est, mon taser? Je serais curieux de refaire le jeu quand je l'aurai fini. Je serais curieux de le refaire en facile ou en normal. Pour voir le nombre. Dégueulasse. Pour voir le nombre de coups qu'il leur faut pour crever. Parce que moi je trouve ça un peu abusé quand même. C'est pas parce que c'est difficile que tu dois juste avoir des ennemis complètement permacraques en face de toi. Alors, vous allez me dire pourquoi tu gâches un taser à chaque fois. Et ben. Encore une fois, pour la simple et bonne raison que. Je peux pas les attaquer en face en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je les attaque juste avec un coup de maillet comme ça, et qu'ils sont en face de moi, automatiquement, il part mon coup. Et du coup, je m'en prends plein la gueule derrière. Je peux juste rien faire. Le seul moyen, ce serait que je les prenne en traître, que je me fasse pas repérer, ou alors que j'aille dans leur dos d'une façon ou d'une autre. Et là seulement, je pourrais les attaquer directement avec le marteau. Ah oui, je me souviens de cet endroit-là. Ok, bon, on a trouvé la sortie. Tu as bon signe. Putain. Regarde, je vais te montrer l'exemple parfait. Voilà, je peux rien faire. Je préfère foutre en l'air un coup de taser plutôt que de claquer mes balles dans le vent, tu vois. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a là? Pile de lampe torche. Ce que je vais faire, je vais me soigner, déjà, pour commencer. Non, je vais attendre un peu, en fait. Parce que maintenant, les kits de soins me foutent full life. Là, il y a un plan. Et depuis le début, je peux pas y accéder. Et ça me stresse.
Niveau de sécurité trop élevé. Comment je fais pour parer à ça, moi? Ouais, je m'énerve. Bah oui. Le jeu est en train de m'énerver. Ce jeu m'encule. Voilà. Je me baise la gueule. Je suis désolé. Je suis passé devant la porte, elle s'ouvre pas. Faut que je me colle à la porte. Limite que je lui fasse la bise, là. Que je lui échouille un peu le métal pour que je puisse enfin passer. Bon, bref. Ceci étant dit, là... Celui-ci qu'il me faut. On va sortir le fusil à pompe. Ok, j'aime pas du tout ce que j'entends. D'accord que là j'ai entendu des bruits dans les canalisations. D'accord. Non mais on est d'accord. Bon. C'est tout ce que je voulais savoir. Bah non mais je sais pas le. Le fait de me dire que l'alien on le reverra plus, je trouve ça trop facile en fait. J'ai du mal à y croire pour être tout à fait franc avec vous. Donc voilà, je vais pas. Je vais pas, comment dire, vendre l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Comme on dit, pardon, je vais me soigner, par contre, vraiment, là. Parce que on sait jamais. Puis parce que je peux le faire. Cette station dessert la maison médicale Saint-Cristobal, oui. Et Sixon Synthetix. J'ai l'impression que les ordinateurs des étages supérieurs de Sixon Synthetix sont actifs. Rip, je sais pas si j'y arriverai. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable, maintenant. Responsable de quoi? Une salle pleine de cadavres? C'est la merde! Ta gueule et fais ce que je te dis. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Ok, trouver Samuel dans Sixon Synthetix. Je voulais dire un truc, je sais plus ce que c'est. Voilà. Pas compliqué, je voulais dire quelque chose, je sais plus ce que c'est. Et tout. Ok, bon, allons-y. Du coup, est-ce qu'on est déjà venu ici? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des cadavres un peu partout. Pip 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 pip. Vous avez longtemps. Alors, purification de l'air. Oui. À la porte. Attends, on est où? Là, ok. Image de la caméra, ça dégage. Accès à la porte. Pourquoi je peux pas? Ah, ça en demande 3. D'accord. Ok. Vérification de l'air. Système de parleur, système de l'alarme, on s'en fout. Ok, parfait. Je sais pas quelle purification de l'air j'ai désactivé par contre. J'ai pas trop compris dans quelle salle c'était. Ah ok, c'est dans celle-là, c'est à gauche. Quoique. Je comprends plus rien à ces plans, de toute façon, je suis perdu. Bon, bref. Là je peux y aller du coup. Eh oui. Ah putain, mais oui, attends. Je crois malheureusement me souvenir de cet endroit. Ne serait-ce pas le pavillon médical là? Eh oui. Écoute, on va fouiller, hein, de toute façon, faut que j'aille... voilà, faut que j'aille prendre l'ascenseur, là.
Allez. Ça c'est pareil, c'est chelou, j'en ai ramassé un vachement plus tôt dans l'aventure et je l'ai pas gardé de ce truc ionique là. C'était vraiment étrange en fait. D'accord, c'est celle-là de purification de l'air que j'ai désactivée. Apparemment. Conillian Peaks, ok. Je suis jamais venu ici. Ah oui, non, c'est une autre partie du pavillon médical que j'ai jamais visité en fin de compte. Porte fermée, ok. Du coup, c'est laquelle de porte que j'ai ouverte? Moi, j'ai désactivé une porte. Enfin, j'ai activé une porte plutôt. Il me semble bien que c'était celle-là. Bon. Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que les plantes, il n'y en a pas un seul qui se ressemble en fait. Quand tu regardes un truc de reroutage et tu regardes ça. Ah, d'accord, il y a un ascenseur là. J'ai pas envie de. Ça mène où? Maison médicale, ça. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Qui l'a dit? Allez, allons-y. Ok, oui, effectivement, je me souviens de cet endroit. Je me souviens clairement. C'est dommage qu'on puisse pas voir la navette qu'on a éjectée. Tu me diras, ça se trouve, elle est, depuis le temps, elle est s'écraser sur la planète, là. Donc j'ai complètement oublié le nom. Alors, oui, l'ascenseur, on a dit. Prendre l'ascenseur. Eh, mais oui. Ah, mais bordel! J'en ai marre. Je peux accéder nulle part. Ok. Vous m'excuserez, j'ai besoin de me moucher, hein, si vous voulez tout savoir. Donc si vous m'entendez plus, c'est normal. Comme ça, ça évite de faire des bruits parasites à la con. Ok, donc, on en est où? Allez, mets-moi un peu d'action, là, jeu. S'il te plaît, on s'ennuie tous, là. On a vu trop de temps de chargement, ça va pas du tout, cette affaire. Oula, il est vivant, lui. C'est quoi, c'est un synthétique, c'est quoi? Ripley, il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Les ascenseurs sont HS. On dirait que les synthétiques de Sixson n'apprécient pas trop que leurs camarades de la Wayland Yutani viennent fouiner. Comment je monte? Va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le coin qui mène à la cage d'ascenseur. Mais c'est quoi cette mort qu'il a eue, lui? Oh, la violence, quoi. Eh, mais ils sont ultra violents. C'est quoi ces synthétiques, sans déconner? Tu parles des synthétiques qui n'ont pas du tout été prévus pour tuer, mon cul, ouais. Regarde-moi cette mort! Les mecs lui ont volontairement foutu un truc dans la bouche pour lui faire couler je ne sais quoi à l'intérieur ou. Je sais pas, à moins qu'il se soit suicidé. Regarde-moi ça! Ah non, ils ont rien fait couler en fait, c'est un magazine. Tu vas me faire croire que le synthétique il a pas fait ça délibérément, hein? LOL! Possible quoi. Y'a que moi qui ai les yeux ouverts ou. Alors, Smith, lis SCP, s'il te plaît. M'en veux pas, je suis passé par la cage d'ascenseur et j'ai fermé la porte d'accès derrière moi. J'avais un lambda aux trousses. J'ai pas eu d'autre choix que de fuir. Si tu trouves quelque chose pour couper le panneau, le code c'est 8382. Je vais le noter, dans le doute. Parce que vous connaissez tous ma mémoire de poisson rouge. 8382. Voilà. Pourtant pas compliqué à retenir en plus celui-là. Aucun signe de tourtereau, mais j'ai tout un attirail de flingues et de provisions ici. Rothel. Ok, partagez un avant-poste du progrès numéro 2 par Julia Jones, des origines fragiles. Une fois que Welland Industries a ouvert la voie du voyage plus vite que la lumière, Sixon a décroché son succès. Mais j'ai déjà lu tout ça. Mais oui, j'ai déjà lu tout ça. Il y a longtemps, mais je l'ai déjà lu. Si je m'en souviens, c'est que je l'ai déjà lu. Rapport à ma mémoire de poisson rouge, tout ça, tout ça. Eh ben dis donc, il y a des lampes torches là-dedans. Je vais recharger la mienne et puis je vais en ramasser une, quoi. Pas de raison. Bien, du coup on a cette porte qu'on peut ouvrir.
Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore une autre porte. Control Center, Synthetic Fluid Plant, Sixon Synthetics. Où est-ce que je dois aller? Je dois aller à gauche. Très bien. Et si je décide d'aller à droite, que se passe-t-il? J'ai plus qu'un taser. Là, par contre, je vais peut-être commencer à économiser. Oh, mais oui, putain, je me souviens de ça ici aussi. De ça ici aussi. De recharge, machin. J'aime pas trop la musique qui est installée. Putain, cette porte qui me fait flipper. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Tiens, une petite bombe tuyau. Disons que ça aidera dans les moments les plus difficiles. Voilà. Pack de recharge, plein pack de recharge, je crois que s'il faut faire un émetteur de son, je crois que ça en prend. Mince. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai déjà rempli le truc. Mini-UM. Pack de recharge, ça prend des packs de recharge les mini-UM. D'ailleurs ça faudrait que je les utilise contre les synthétiques. Ah, je peux pas, d'accord, j'ai déjà à fond. Pas grave. La camelote, et voilà. Ok. Ça, c'est impeccable. Ensuite. Ouais, rappelez-vous de cet endroit-là. Qui était bien flippant. Ça remonte à l'épisode... l'épisode 13 ou 14, je crois. C'est quand même assez loin. Hein. Peut-être pas aussi loin, je sais plus. Bon, bref. De toute façon, je pense que... Dans mes souvenirs, on avait tout fouillé. Il n'y avait plus rien. Puis j'ai pas envie de retourner là-bas tout au fond. Ça va être trop long. Enfin, si, techniquement, je voudrais bien, mais je le ferais si je jouais tout seul de mon côté. Vu que vous êtes là, eh ben, je vais pas le faire. Je vais éviter de vous faire perdre votre temps juste pour ramasser 3 balles de fusil. Quoi. Moi, je suis tout à fait le genre de joueur à passer mon temps à fouiller et à faire du backtracking et tout ça, mais dans un let's play, c'est pas ce qu'il y a de plus adéquat. Quoi. Ah. Combien on a dit? Tu vois, je m'en souviens déjà plus. 8-3-8-2. Parfait. Ok, donc là on a un petit passage et il n'y a rien d'autre ici. C'est le détecteur. Vous remarquerez que ça fait un moment qu'on n'a pas trouvé de combustible. Ce qui me conforte encore une fois dans l'idée que effectivement ben l'alien n'est plus là quoi. Enfin ça me conforte oui et non parce que du coup ça me. Oula. Ça a pas l'air bancal du tout ça. Et je marche dans le vide en plus. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien fait. Vive la technologie de 2017 les mecs, hein, moi je dis. Bon ce jeu est sorti avant 2017. Mais voilà. Du coup on a dit qu'il fallait que j'escalade. Effectivement, il y a une échelle. Eh bien allons-y Alonso. Cette vue qui donne la nausée. Oula. Ça tangue. Merde, ça tangue. C'est l'air. Phew. Et B. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'en effet, c'était pas hyper stable. Très bien, là-haut. Oh, j'aurais bien voulu voir une tête de synthétique en gros plan, là, en mode bouh. Ça aurait été marrant de le voir, c'est qu'en fait, effectivement, c'est lui qui passait à travers les conduits. Est-ce que je peux taper? Non, je peux pas taper dans les conduits. Je peux tirer, hein, j'ai mes armes à feu et tout ça, mais je ne peux pas taper avec mon marteau. C'est une chose qui est bonne à savoir plutôt. Je suis comme ça, c'est quand même mieux. Ok, il y a du mouvement. Je sais pas où. Mais a priori, il y en a.
pas du tout glauque. Toi, t'es pas mort. Toi non plus. Toi, t'es encore moins mort, en fait. Regarde, il a les yeux qui brillent, et pourtant, je peux pas le taper. Ça, je suis désolé, je trouve ça nul. Je trouve ça nul, parce que... Bon, je vais vérifier une chose. Parce que voilà, là, je vais passer, clairement, je vais me faire choper le pied. Est-ce que je prends des dégâts? Voilà, regarde-moi ça. Je prends des dégâts. Je... Alien Isolation. Tu n'es qu'un connard. Non, mais je suis désolé, c'est débile. Regarde-moi ça. Le mec, je sais qu'il est vivant. On voit ses yeux qui brillent. Il est clairement... je veux dire, il est clairement numérisé de sorte à ce que tu penses qu'il est vivant. Donc du coup, moi, je me dis, bon, je vais le taper. Comme ça, il se relèvera plus. Eh ben non, non. Le jeu te force à te faire choper et te force à perdre des points de vie. Et ça, je suis désolé. Je peux pas faire autrement que de gueuler dessus. Ricardo, j'y suis. Ça, dégueulasse. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir. Parfait. Oula, Ricardo ne répond plus. Je crois qu'il est en train de se pendre. Bon, lui, il est mort, il a plus de tête. Lui, il est mort aussi, puisque... Parce que voilà. Lui, il est pas mort. Mais définitivement, je ne peux pas le frapper. Il va falloir que je reperde des points de vie contre lui. J'en ai marre, quoi, au bout d'un moment. Ah, là, c'est pas un piège à con, ce truc-là. Ennemi proche. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui bouge? Ouais, bref, ça m'empêchera pas de sauvegarder. Non, mais je suis désolé de parler aussi mal comme ça, parce que ça me fait chier, parce que c'est vraiment un bon jeu. Hein. Il y a énormément de bons points et tout ça, mais c'est ce genre de détails. Et c'est pas que dans ce jeu-là hein, que ça existe. Hein. Là, je gueule parce que je le vois en direct et je vous le partage en même temps. Mais dans plein de jeux comme ça, il y a ce genre de détails à la con, parce que c'est du... Tu vois, c'est du scénarium. C'est du synthétique fait à base de scénarium, tu vois, comme autant que Wolverine est fait à base d'adamantium. Et ben voilà, je trouve ça nul. Parce que le mec, tu sais qu'il est vivant, tu le sais que tu vas te faire choper, mais non, non, le jeu t'oblige à te faire choper. Parce que là, clairement, t'es obligé, t'as pas d'autre choix. D'ailleurs, t'es obligé de passer dessus. Si tu passes pas dessus, tu peux éventuellement le contourner, mais vu que c'est du scénarium, il va quand même te choper. Encore, tu vois, il serait, voilà, comme lui, par exemple. Lui, bon, bah voilà, lui, tu passes à côté, hop, il te chope pas. Bon, voilà, bon, là, le fait est qu'il est définitivement mort. Mais, non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça m'énerve. Sur ces belles paroles. Je vais juste m'avancer un peu. Ah, c'est toi qui, Regarde, lui, c'est pareil, il fait style de pas bouger, mais clairement, on sait qu'il est vivant. Donc, je vais le taper. Mais ça marche pas. Par contre, ça c'est flippant. Ça, par contre, c'est flippant. Parce qu'il a clairement pas une position naturelle pour un synthétique. Donc, ça veut dire que quelqu'un l'a volontairement mis de cette façon-là. Oh là, il y en a un en face. Il y en a deux en face. Non, celui-là il bouge pas. Ouah, mais c'est chelou. Ça veut dire qu'il meurt. Ok. Bref, on verra tout ça dans le prochain épisode. J'ai plein de questions qui me viennent là. Donc. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Il va être entrecoupé par je ne sais combien de fois, donc je ne sais pas combien de temps il va durer. Il sera peut-être plus long, il sera peut-être plus court, j'en sais rien. Sur ce, chers amis, merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour la suite et bisous à tous, bien entendu, et surtout, portez-vous bien, chers amis, c'est le plus important. Allez, bye bye!